Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver? Bonjour, tu voulais me parler? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Je crois qu'aucun directeur n'a été... Réveillon. Ah, Réveillon. Qu'est-ce que vous mijotez?
Tu as déjà voulu monter un hippogriffe ? J'en ai déjà monté un, plusieurs. Je voulais juste savoir. Et pour la salle, professeur ? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Eckhart et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé, ai-je tort ? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ollivander est présent à Préolard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Revelio. Thank you.
Revelio. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Action! Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans le portail. Fantastique. J'imagine que ces premières tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux est conduit à trouver trop réaliste et s'est emporté. M'a dit qu'il cachait ses devoirs sous son lit. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. Revelio.
Revelio. Notre dortoir est une porcherie. C'est vraiment trop grand. Tiens donc. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit, alors. Préolar est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci, d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. Au début, je pensais que le professeur... En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. Revelio. Jolis insectes. Mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Préparo. Action. Leviosco. Revelio. De Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours. Revelio! La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon... Revelio. Tu devrais avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolar un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Mais maintenant.
Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué. Les vieux sont faits pour t'améliorer autant en duel. Action. Réparo. Levioso. Revelio. Revelio. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette Rébellion. Attaque de dragon. Espérons Réparo. Que le reste de ton année soit plus. Action. Revelio. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palo. De faire demi-tour et... de courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise ? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Action ! Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard ? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Revelio. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Revelio. Action. Réparo. Levioso. Revelio. Reparo. Action.
Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictam, quelques créasors et des recettes de potions. Parfait, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte, tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser, nous sommes après Olar. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Ah, bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, j'ai... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous? Non, pas toi. Non. Oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare. 35 cm. Cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu? Peut-être que... Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Intéressant. Étrange, très étrange.
intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Baguettes en cœur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire! Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Les personnes qui travaillent chaque jour avec leurs mains. Si on n'avait pas autant. Voici un esprit curieux. Excusez-moi. Je suis là pour les créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock.
Revelio. Action. Revelio. Action. Revelio. J'ignore pourquoi je passe en vue de l'histoire de la magie. C'est comme vous, mais pour une tour banale. Mais très intéressant pour le moment. Il m'arrive de jeter un sort. Je vais essayer de vivre avec les mêmes modèles que la révolte. Action. Réparo. Action. Levioso. Revelio. Réparo. Action. Revelio. Action. Revelio. Bienvenue chez Bosco Pupin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolar. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potions Pipin. Potions en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui.
Revelio. Revelio. Revelio, action! Revelio! Action! Revelio! Revelio. La société peut basculer dans le chaos. Revelio. Tu pourrais aussi me regarder à mes yeux en ce moment. La rivalité entre Francolarand et la nécromante. Il est la seule grande de la nécromante. Revelio.
Rébellion. Action. Réparo. Levioso. Rébellion. 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 J'ai pris pas mal de poids. Pourtant, il aime travailler. Rébellion. Comment c'est parce qu'il y a la chance d'avoir un portier et une portière dans sa famille, le monde m'a dit de jamais réaliser qu'une vie. Le chemin dans le village. Elle est ainsi chez toi. Une loise pour chaque rapport que j'ai chassé. Bien sûr, c'est de vos élèves. Si tout ne coûtait pas si cher, je porte voir les ailes de mon goût. Rébellion. Ils n'ont pas l'air de vous entendre. Je trouve pas le temps. Rébellion. J'aimerais bien travailler dans le centre d'alchimie. Thank you.
Revelio. Guide du sorcier est bien pratique. Je suis là. Revelio. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictam pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Teasdale, au fait, et voici ma boutique, le Navet Magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictam? Laissez-moi deviner, vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Revelio. Les sortilèges impardonnables n'ont pas toujours été interdits. Les aurores peuvent utiliser des sortilèges impardonnables avec l'autorisation du ministère. C'est assez injuste. J'ai entendu dire qu'il faisait bon vivre à Campolar en haut. Ou alors c'était Campolar en bas. Revelio. Action. Revelio. Revelio. Action. Revelio. Action. Revelio. Revelio.
Revelio. Bonjour. Ah, bonjour. Désolée, je suis dans tous mes états. Je viens juste de gronder quelques plantes. Elles se sont battues entre elles. Ça doit être ma faute. J'en ai mis plus de 4 sur le même étalage. Au fait, je m'appelle Béatrice Green. Mais vous pouvez m'appeler Madame Green. Bienvenue à Amani, tes chiens dents. Oh, faites bien attention aux mandragores. S'il n'y avait pas une demande constante d'antidote, je n'aurais pas besoin d'avoir autant de ces petites chéries. Sauf bien sûr pour les mauvais sorts. Et pour ceux qui ont été pétrifiés, c'est évidemment l'endroit où aller. Attention à ne pas déranger les mandragores. Si une racine sort de terre, vous y passerez. Et je ne suis pas d'humeur à faire le ménage. Quelqu'un est mort ici? Oui, c'est une chance. Qu'il n'y ait eu qu'un mort, je veux dire. Enfin bref, que puis-je faire pour vous? Je vais simplement faire le tour de la boutique. Très bien. Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous intéresse. Qu'avez-vous à vendre? Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles? Revelio. Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas. Madame Peck de chez Pic et Peck a dit qu'un client avait perdu un dirigeant ici. Je sais bien que nous ne sommes pas censés aller là-bas. Tu aurais pu... J'ai toujours dit que voyager ouvrait Ça ne me dérange pas d'être de temps en temps sans ma vie. Si quelque chose me menace, la première chose que je ferai sera de lancer le protégé. Action! Je me demande bien.
Revelio. 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 La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans les mines.
Revelio. Revelio. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur ? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Action. Réparo. Voilà. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir.
Monsieur Hill chantait justement... Réveillon. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les trois balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse.
pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Je ne dirai rien. Revelio. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. Personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il sera après Olar. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Olar. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les Trois Balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls? Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château.
Revelio. À mon avis, le monde apprend de ses erreurs. J'aimerais bien travailler dans ce centre d'alchimie en Égypte. J'ai toujours été bon, vous aussi. Revelio. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Thank you.